Salut les pilotes! Bienvenue pour ce vol Kaboul-New Delhi. Alors, la dernière fois, on a eu quelques petits problèmes de moteur. Donc, on a dû changer l'avion. Le petit problème, comme on est à Kaboul, c'est que cet avion est floqué de l'American Airlines. Ce qui fait que, voilà, on a l'avion qui est contrôlé de partout. Donc on va partir au petit matin, tant que tout le monde s'est barré, on a une petite heure devant nous pour partir, décoller. On va s'en occuper de suite. Je prépare les caméras. Voilà, ensuite je prépare celle-là. Ok. Bon, allez, on va commencer. Salut Loïc, salut Roxy Nouméa, salut Fred, salut Pat, Stéphane, Terry Vega, Jeff Hart, Richard, Animate et JP. Allez, je prends mon petit tuto. Je vérifie. Ok. Allez, c'est parti. On ouvre les aérateurs. Ensuite, on met contact, batterie extérieure, les feux de beacon, no smoking et la ceinture de sécurité. Lui, j'ai toujours pas regardé ce que c'était. Et là, les générateurs. Okay. Ensuite, on active Cabin Heater Master et en ouvrant les réservoirs. Ensuite, activer les radios. Alors normalement j'ai trouvé le problème qui me faisait disparaître le curseur de la souris. On va voir si j'ai bien trouvé. Salut Sébastien, salut Nico, salut Edouard, salut tout le monde. Que Kaboul soit en altitude, je m'en fous. On décolle. C'est qu'on atterrit que c'est compliqué. Alors, suis en train de couver un truc. De dingue. Parfait. Donc on enlève les cales. Et on ferme. Tout est fermé. Ok. Oui, c'est vol de... ouais, c'est un peu ça là. Mais j'ai vu que les talibans, ils avaient des 4x4 noirs comme ça, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en fait. Parfait. Allez, on va démarrer les moteurs. Ok. On va mettre ça comme ça. Là, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne vue, ça. Bah, je vais faire comme ça. Voilà, je suis pas mal parce que là, il faut désactiver ça. Rappelez-vous la dernière fois, les petites lumières bleues. D'accord. Là, je suis comme ça. On est bon. On sauvegarde. Salut Mister Mandy. Salut Pierre.
casque. Voilà, mon casque est mis. Merci Loïc. Donc alors, on va... Là, j'ai fait mes lumières. Allez, on va pouvoir attaquer. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ouais, ok. Ok. Pas mal. Moteur 4. Magnéto 1, magnéto 2. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Tous les moteurs ont été révisés. Vu que c'est le premier vol. Ok, parfait. Allez, moteur 2. Magnéto droit, magnéto gauche, les deux magnétos. Faut pas que j'oublie d'activer les pompes là, cette fois-ci pour le décollage. Salut Lyon, salut Jean, salut tout le monde. Bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. Hello Gaëtan. Ok. Ça a l'air nickel. Moteur 1. Magnéto 1, magnéto 2. Ok. Ok, là je vois les deux hélices, pas ici. Ça ne me va pas. Ah, on ne voit pas, hein. Ah, c'est dommage ça. Peut-être qu'en levant un peu, non? Allez, je vois un petit bout là. Et en baissant, non? Ouais. J'aimerais bien voir les deux hélices, comme ça en vol. Voilà. Parfait. Je suis bon comme ça. Et je suis bon comme ça. Ok. Parfait. On peut désactiver les pompes. Mettre sur zéro et enlever la batterie extérieure. Ok, on est bien.
Parfait. Du coup, on bloque les manettes. On n'oublie pas cette chose. Et on diminue de 3 crans. On met à 20 degrés. Ah oui, merde, ouais. Quand j'ai caméra personnalisée. Deux petites secondes, je laisse monter en température, j'arrive. Salut Gérard.
Ah, j'ai peut-être oublié de réactiver mon micro. Le genre de choses qui arrivent. Je parle tellement que quand il y a une minute sans que je parle, tout le monde dit « Attends, là, il y a un truc qui déconne. Ah, ça fait plaisir, tiens, ah, je vous jure. » Ah ouais. Super. Alors là, vraiment, c'est super. Bon, l'atterrissage ici, c'était quelque chose, hein. C'est là qu'on s'arrête, hein? Non, hein? Si, croyez? Non, hein? Non. Hein? Ah ouais, c'était, y avait une tension, hein, à cette... C'est pour ça que je regarde sur plan, mais je n'y vais pas en caméra sur l'aéroport de destination, que ce soit la surprise pour moi aussi, quoi. Ça qui suit, enfin. Ah, mais la mienne, ça. Mais la mienne, ça. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Le commandant ainsi que toute l'équipe vous remercie d'avoir choisi la chaîne Fredo Data pour ce voyage. Pour votre sécurité, veuillez garder attachée votre ceinture jusqu'à l'extinction complète du voyant. Afin que vous puissiez pleinement profiter de cette vidéo, nous vous informons que l'usage du smartphone est exceptionnellement autorisé, ce qui vous permettra d'apposer au bas de cette vidéo un pouce bleu. Nous rappelons à nos amis corses que les pains fournis par la compagnie ne sont pas en plastique, mais à base uniquement de farine. Bon vol et bon visionnage. Ça c'est dit. Faudrait pas qu'il y ait de malentendu, quoi. Hein. Donc là, on part et on va dans le... dans l'autre sens. Ah mais super. Sinon un plus compliqué à quoi? Voilà, on va prendre derrière cette petite montagne là. Allez, ok. Oh, oh, Fredo, détends-toi. Allez, parfait, les amis. On est parti.
stabilized. Kelflaps set. Full power, please. Allez, full power. Ça va bien, ça. Laisse tomber. Ah, il m'a flingué les moteurs, le con. Crâne de voler. Ça monte pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pourquoi ça grimpe pas là? Qu'est-ce qui se passe hein? Tous les flaps sont montés. Alors si c'est l'avion, si c'est le copilote qui me flingue les moteurs, hein, je suis pas d'accord. Hein.
Alors, on va encore reprendre des moteurs. Ah, ils m'ont filé un stage. Ah là, je couvre un truc là. Et de la semaine, il y a une vidéo qui se lance pas. Vous vous étonnez pas, hein, parce que je suis en nage, j'ai la gorge. J'ai froid dans la gorge. Ok. Alors voyons un peu où j'en suis. Je suis quand même beaucoup dans les moteurs. C'est le régime moteur pour augmenter le compresseur. Parfait, on est en train de monter. Allez, encore un tout petit peu. Allez, 1000 pieds minute, à peu près, ça va bien. La vitesse. Allez, pitounette. On va grimper. Ok. Ah ouais. Oui, Loïc, oui, tu as raison. On est en altitude, mais enfin là, quand même, il en manquait pas mal. Et puis il y avait les voyants en haut qui étaient verts, qui étaient restés allumés. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être c'est compliqué. Les pas d'hélice, en fait, comme tu les règles au début, lui, il ne les re-règle pas. Donc, moi, j'avais mis moyen, et apparemment, j'ai l'impression qu'il faut pas, quoi. Donc, à part que je m'entraîne sur un décollage, il prend en contrôle la manette des gaz, mais pas le pas de l'hélice, j'ai l'impression. J'ai commandé un café il y a 10 minutes, toujours pas là.
de bien belles images. Donc j'ai fait en sorte de prendre un chemin où c'est quand même assez plat. Et après, c'est comme l'avion, mais ils ont du mal à décoller, ouais, faut le temps de... Si tu prends du mal des employés de l'American Airlines, hein, je vous préviens. Hein. Ah ouais, je filme comme ça parce que les textures au sol sont pas très jolies. Alors on va rester comme ça. Tu me dis que c'est à combien? À 2000 mètres. Ça fait combien de 2000 mètres en pied? Ok. Parfait. Donc là, on est calé. 6500 pieds. 6. 7, 8, 9. Ouais, c'est beau, ça va. Ouais, ça va. Pas mal. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer sur les compresseurs. Ah, t'as raison, ouais. Qu'est-ce que vous avez de street photographie? Qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Vous êtes assis, c'est déjà pas mal. Vous verrez, à nous des lits, on vous fera prendre le train. Vous l'avez vu, cette vidéo-là, du train qui passe dans la ville, quoi? Il y a quoi? Il y a 50 cm entre le bord du train et les maisons et tout, avec les gens, là? Ah, mais des trèbres sur le toit, ouais, papy, costaud et tout. Ah, il y a matos, quoi, hein. Bon, allez, là j'ai un truc à faire, là je suis pas là pour tricoter ni pour raconter ma vie, alors commencez pas, ne commencez pas, je vous préviens. Oh putain, il m'a flingué les moteurs, quoi. Ouais, comme je suis pour rien, hein, va chier, je sais. Pas ma faute, hein. Hop, du coup, les têtes de cylindre qui sont froides. Parce que je vais pas... Il va y avoir un ronflon à l'arrivée, par contre, hein. Donc alors pour expliquer un peu ce qui s'est passé là au décollage, lorsque je lance le décollage, l'ordinateur le donne la main en fait au mécano et au copilote. Et donc les gaz deviennent manuels. Simplement ce qui compte aussi c'est ça. Voilà, le pas de l'hélice. Et il n'était... Je croyais qu'il en prenait le contrôle alors qu'en fait il le prend pas. Ce qui fait qu'on avait des hélices qui n'étaient pas bien orientées. Donc du coup on n'avait pas beaucoup de. On n'avait pas beaucoup de puissance. Quoi. Le moteur tournait fort, mais un peu comme un système de variateur. Voilà. Donc maintenant je le sais, il faudra que je fasse un petit entraînement. Donc alors on va faire. On va faire les compresseurs. On est d'accord que les compresseurs, c'est ici. Ça c'est hyper délicat ce passage. Hein.
surface, c'est un truc de dingue, hein. Ok. Et on est bon là. Carburateur, température, hein. Ils sont là. Non mais ça va bien, qu'est-ce qu'il va me prendre la tête lui? Ça va bien, on peut aller jusqu'ici, hein. Il rigole ou quoi? Ah, le moteur 1 et le moteur 4. Hein. Pourquoi il me dit que les carburateurs ne vont pas? On est pourtant là. Ok. On va revenir un peu. On grimpe. L'altitude et là le niveau de montée. On donne des petites piqûres de rappel de temps en temps. Ok. Waouh. Bah, normalement, là, j'ai trouvé un chenal. Parce que sinon, les montagnes à droite et à droite sont trop hautes, alors j'ai cherché un endroit où... C'est joli, mais je me pose la question de la météo à l'arrivée. Ne me le dites pas, hein, ne me le marquez pas surtout. À l'époque, la radio n'allait pas aussi loin. Donc, on verra quand on y sera. On a météo réelle, bien sûr. Oh là là, sur le chrome, la lumière quand même passe. Po, 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 po. Ah, il est beau, hein. Il est beau, cet avion. C'est avec mon voisin. On va en taper une. Il est où? Hop, là. On grimpe toujours. 5000, ça va bien. 500 pieds, pardon. C'est l'eau qui recrute, hein. Moi, je recrute. Si vous aimez ce que vous voyez, de mettre un petit pouce bleu. Un pouce bleu, ça aide la chaîne à être référencée. C'est vraiment un coup de main, quoi. Un pouce, c'est un coup de main. Voilà. Et de vous abonner si ça vous branche. Et de cliquer sur la petite cloche. Mais
surtout, le petit pouce bleu, c'est vachement important, en fait. Ben, justement, Roxy, tu vois, tu dis, t'arrives pas à dormir, trop de bruit dans la carlingue. Justement, les gens qui étaient dans ces avions, ceux qui étaient surtout assez près des moteurs, le ronronnement des moteurs endormait les gens, quoi. Ouais. Gaëtan, je lis souvent des critiques sur Flight Simulator, mais en ce qui me concerne, je suis impressionné. Tu as vu ces reflets sur le soleil? Ouais. Merci Philippe, merci à tous. Le petit souci qu'il y a, on l'a vu sur WRC10, on le voit sur Flight Simulator, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des chaînes, parce que moi, aux 1000 abonnés, j'estime que je tiens une chaîne, je suis pas YouTuber, ouais. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui a une vie. Là, j'en suis bien loin, quoi. Et même très très loin, d'ailleurs. On le voit pas. Et donc, il y en a beaucoup qui font ça comme ça, quoi. Tu vois, et ils branchent le jeu et ils regardent pas. Ils laissent tel que c'est. Il y a des réglages à faire. Moi, j'en ai fait un paquet de petits réglages. J'en ai fait des tests. Le WRC10, quand il est sorti, tout le monde a dit il est nul, le FSB est nul. En fait, il y avait un bug, il fallait appuyer, enfin, bouger un petit bouton et ça marchait, quoi. Donc voilà, le problème, c'est un peu qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais des gens qui le font vraiment, qui ont de l'expérience, qui, enfin voilà, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a, voilà, moi je vois, je regarde, il y a une chaîne française, un peu, où je vais voir de temps en temps. Et puis il y a 2-3 chaînes à Merlock, où bah, je suppose qu'elles sont à Merlock, vu les quantités de clics, vu qu'eux sont très nombreux. Et tu vois, le gars, il cherche, il fait de la simu, quoi, vous voyez, voilà, c'est ça le truc, quoi. Et il y a beaucoup de critiques, mais dans les critiques, t'en as beaucoup. Si sur un gars, tu vois du Fly Simulator, et après, ou du DCS, ou un autre jeu, tu peux être sûr qu'en fait, il flingue Fly Simulator parce qu'il préfère l'autre, hein. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gars qui le font vraiment. Allez, j'essaie de faire une belle vidéo, quoi. Vous voyez, pour vous donner un exemple, là, pour tourner autour de l'avion, je suis allé pousser le vis, d'aller mettre les caméras et d'aller diminuer la vitesse de rotation du drone autour de la caméra. Comme ça, quand je tourne, c'est beaucoup plus délicat, quoi. Vous voyez, voilà, il y a des tas de petits trucs comme ça pour que ce soit jojo, quoi. Bon, là, les textures au sol, c'est naze, hein. Donc, du coup, disons, on serait pas assez haut, là, du coup, parce que... Non, putain. Alors, attendez. Ok. Allez, normalement, on est tout match, là. Fredo, il a même réglé l'angle de carrossage des hélices. Et les barres anti-roulis sur le train d'atterrissage. Non, j'ai pas ma licence de pilote. Je suis passionné. Mais, ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment le savent. On m'a proposé un stage gratuitement sur un simulateur Airbus officiel. D'accord. Il y avait un commandant et moi qui m'a expliqué quelques trucs. On a discuté. Et après, bon, j'ai décollé, j'ai fait le tour, j'ai fait... poser décoller, en bas ça craint. Et ensuite j'ai atterri l'Airbus et tout, il m'a aidé juste à un moment donné, j'étais un peu trop haut. Il m'a donné un petit coup pour me remettre, il me dit mais descends un peu plus.
Oh, je suis descendu, j'ai posé l'avion et tout, tout pareil, hein. Ah ouais, le... ah, là j'étais content de moi, j'avoue franchement. Hein. Comme quoi la passion peut amener au... Comme j'ai marqué dans le descriptif de la chaîne, s'il y a un moteur et quelque chose pour diriger la bestiole, c'est pour moi. Ah ouais, j'étais content, hein. Le mec, il a dit, il a marronné le savoir, ma fille, elle était derrière lui, elle l'a vu, ben disons, pour un joueur de jeux vidéo, il a dit. Eh oui, que c'est du gros garçon, quoi. Je suis pas là pour tricoter, moi. Les gars, on va aller à Katmandou, quand même. Enfin, je sais pas si c'est tout à fait ça. Ah ouais, je préfère qu'il soit là l'orage que plus loin. Mais je crois qu'à l'arrivée, il va se passer quelque chose de pas bon. Alors on va attendre qu'ils nous remettent des textures sympas. Parce que le départ de Bagdad, c'était beau. Hein. Salut Baba. Salut Melchior. Ah ben j'ai pris la bonne, super. On n'avance pas quoi. Alors attends, on va descendre un peu. Oh là, il se passe des choses ici là. Ah ouais, quasiment 30 km/h de vent, ok, j'ai compris. J'ai pas une vue pour ça, moi, là, comme ça, là. Non, j'ai pas, ah, c'est dommage. Il y a les carburateurs même qui sont froids. Oh. Carburateur, air carburateur. Les amis carburateurs, ils vont bien là. Normalement, on a toute cette tranche là encore. Hein. Je vais passer sur les réservoirs auxiliaires. Ah, merci Simimbling. Bonjour à tous, commandant Fredo Veille. Merci beaucoup Simimbling. C'est gentil. Je te remercie pour ton don. C'est grâce à ces petits gestes que la chaîne continue. Ça aide.
à pouvoir passer du temps à préparer les choses. Donc alors, on a dit... c'est là, je crois. Ouais, d'accord. Et ouais, pourquoi ça, ça reste allumé? Le problème, il est là. Pourquoi ça, ça reste allumé? Autofreezer test. Bon, alors attendez, je vais basculer les... Mais Eh oui, comme j'ai coupé le truc, il m'a pas remis les pompes fuel comme il fallait. Ok, alors on va basculer. Ok. Parfait. Donc je vérifie qu'on est bien les pressions de fuel. Ok. Quelle? Du coup, il y a un problème avec Junker. Ah non, non, il n'y a pas de problème avec Junker. C'est que je suis allé voir des vidéos et bien que ce soit un avion qui est quand même assez stable, je trouve que quand même, voilà, je suis allé voir des gars et voilà, je ne vais pas acheter un avion pour faire un vol avec. Déjà, les avions de moustachu nerveux, j'ai pas. Et ça m'a l'air, il m'a l'air très simple quoi. Voilà, pas à démarrer tout ça, ça a l'air super bien fait, c'est après quoi. C'est la sensation que j'en ai.
Donc c'est pour ça que j'ai écrit « il me semble ». Ok, bon, alors attendez. Contrôle F, viseur, propeller viseur. -94 degrés. Engine one, auto freezer, test switch. D'accord. 46, 47. 46, 47. Et c'est où ? 46, 47. D'accord. Ok. Ok, donc c'est pas ça. Je sais pas pourquoi ça reste allumé et je sais pas pourquoi on reste à 200 à 200 nœuds. Je crois qu'on rentre en Inde là. Non. Punjab. Faisalabad. Voilà, la livrée est vraiment sympa, le mec a fait du très bon boulot. C'est le Pakistan ? Ok.
Alors on gagne un peu de vitesse, mais alors c'est rien du tout. Hein. Ça c'est le problème qu'on a eu au décollage, hein, à tous les coups. Ah ouais, là on prend de la vitesse. Oh. Ouais, normalement on en balade alors. Alors je tiens à préciser que toutes les livrées que je sélectionne, ce sont des livrées où, bon déjà il y a beaucoup de passionnés qui font les vraies livrées. Hein. Et donc je suis allé regarder, chercher des photos, voir si c'est vraiment la vraie quoi. Et voilà, et là... C'est la vraie de l'époque. Hein. Salut Médion. Non Jean-François, je ne fais pas sur le Junker. Waouh, vous pouvez descendre un peu, voir un peu plus ce qui se passe en bas, non? Voilà, on va descendre. Ah putain, la vitesse qu'on a pris là du coup. Ah, on descend. Voilà, au moins 500 pieds. Oh là là. C'est comme qui dirait des orages. Ah ouais, le Junker, il paraît que ça se traîne quand même, hein, comme un jeune, il est vieux. Hein. Ah ouais, 120, 140 nœuds, ah ouais, je suis con. Voilà. C'est-à-dire que, oui, il y a les données sur Wikipédia, et il y a les avions, c'est comme celui-là, il va pas à la vitesse qui est donnée, hein. Ça dépend de l'altitude de fou du coup, ça dépend d'un paquet de trucs. Hein. On est bien là? Ouais, ça va, ouais. Ok. Ouais, 120, ouais, 120 nœuds, c'est pas beaucoup quand même, hein. Bon, après, à titre perso, c'est pas que je cherche la vitesse absolument, mais bon, un bon équilibre, quoi. Et après, c'est pas un avion qui me fait rêver, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est... À l'âge que j'ai, chaque fois que j'ai vu des photos avec cet avion, bon, voilà quoi. J'ai du mal, j'ai encore du mal quoi. Alors écoute David, si tu veux, je l'ai trouvé par hasard. Hein. Tu veux un avion pour t'entraîner pour le DC6, pour être prêt pour le DC6.
c'est le Séminole, hein. Le PA-44 Séminole, hein. Pour gérer les deux moteurs, pour gérer la température des carbus, machin et tout, il y a tous les mêmes boutons que sur celui-là, mais comme il n'y a que deux moteurs, voilà. Alors là, tu me fais confiance, tu vas voir, c'est un truc payant, hein. Tu vas voir, tu vas pas le regretter, quoi. Mais vraiment, vraiment. Il y a tout dans cet avion. Bon, je vais pas trop descendre, sinon on va se retrouver dans les nuages. Température, hein. Ben là on dépasse, hein, donc ça dépend d'un paquet de choses parce qu'au fond on pouvait dépasser on était entre 20 et 40 là. Ok. Voilà, Carenado. Ah oui, mais là les gars, là pour le coup, bon, vous savez que j'ai aucun intérêt financier, donc voilà. Hein. Pour le coup, franchement, j'ai pas fait un truc pour le démarrer cet avion-là. Si je l'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Vraiment, vous verrez, il y a le chauffage pour les radiateurs. Il y a le pas de l'hélice, il y a les deux moteurs, il y a la pression, il y a tout. C'est vraiment... il te faut trouver l'équilibre et tout, mais comme il y a beaucoup moins de choses, tu te fais beaucoup plus tôt, quoi. Tu te fais beaucoup plus vite. Et après, le DC-6, c'est le même, mais avec plus de fonctions, mais ça gêne pas, quoi, hein, franchement. Hein. C'est un très bon... Voilà. Alors on est où là? Parce que je fais le kéké, et puis voilà quoi. Hein. Alors on va regarder les pays. On est où au Pakistan, tu dis là, c'est ça? Peshawar. Et on va, hein. C'est où New Delhi? C'est là, hein, quand même. Hein. Il reste une petite trotte, hein. On est parti de Kaboul. Vous l'avez en haut, on a fait 34% du trajet. Dans le monde, au fait, ouais, voilà. Le coffrage, je le montre, on est ici. Ah, mais c'est marqué comme ça, t'es. Voilà, Pakistan, et après l'Inde. Parfait.
c'était quoi le point de départ du tour du monde? C'est à moi que tu demandes, c'était d'abord c'était pas quoi, c'était où le départ du tour du monde? D'après toi, on est parti d'où? D'après toi, je suis parti d'où? De Toulouse? Oh! Waouh, c'est sympa, hein? Tiens. Toulouse-Blagnac, quoi. Parce que je peux pas décoller d'ailleurs, vu l'axale, Lille. Le Pakistan. Je sais pas si vous le sentez, mais on va rentrer dans une zone de turbulence. Alors, je vous cache pas, le Pakistan et l'Inde, on y est passé déjà, c'est beau, c'est marron, hein, voilà. Relaxing, Gaïtin, je suis parti de Montréal, j'ai embarqué un tout petit peu d'huile de caribou. Et c'est quoi le miel là qu'ils utilisent? Non, c'est pas du miel, c'est du sirop d'érable. Les enfants, l'atterrissage, tout ça, l'arrivée va être, comment dire, hein? Ah, comment trouver le bon mot? T'as vu Gaëtan, on s'y croirait, t'as l'impression de, hein, que c'est ton voisin qui te parle. Qui te parle. Là, j'ai vu un film sur Netflix, le mec il déprime un peu et tout, alors il mange à la petite cuillère du beurre de cacahuète. À la petite cuillère. Oh, mais comment ils peuvent faire ça, ça déconne. Ah, en bas c'est chaud, hein. Je vous le dis. Je voudrais bien passer sous les nuages, mais je sais pas ce qu'il y a sous les nuages, moi. C'est tout ce qu'il y a en face, est-ce qu'ils ont une certaine hauteur, ces nuages-là? Et après, c'est quoi le relief ici? Parce qu'il y a un monument que je voudrais voir, moi, quand même. Non, c'est ici. Ah oui, il y a le temple d'or. On va voir le temple d'or. Ouais, je devrais prendre des risques, en fait. Ah non, non, non. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va pas mourir. Pas de suite. Allez, hop. Détends-toi, Pichou, détends-toi, oh! Ah, elle a bougé, elle a bougé, elle a bougé! On va baisser un peu les gaz, hein.
carburant, on en est où là? Ok, parfait. Ouais. Tape d'or, mon nuage fatigué. Eh ben. Alors, on va arriver en pleine là. Donc, je descends. Et du coup, ben, je vais au fond de l'avion, aux toilettes, à de suite. Ok. Salut Fabio. Je t'avais pas vu, si j'en ai oublié. Reste en altitude, profite du soleil. Message supprimé. Ah. Qu'est-ce que vous entendez donc? Ouais, on peut passer sous la couche nuageuse, mais oui, vous inquiétez pas, vous allez voir. Il va y avoir un petit moment de stress. Ça, c'est. Voilà. Ciao Fabio. Ok. Descends encore un peu plus. Voyons les têtes de cylindre, elles sont là. Normalement les têtes de cylindre. Vois ça toi? Le 2 et le 3. C'est le 2 et le 3 en fait. Hein. Voilà, c'est un peu plus équilibré. Putain, les carburateurs, oh! Ok, de toute façon, comme on descend.
Je reste aux commandes pendant la descente là quand même. Oui, j'ai trouvé Emmanuel. La désynchro des RPM, oui, je l'ai trouvé. En fait, avant de décoller... hop. Avant de décoller, il faut donner un petit coup vers le haut, vers le bas, sur ce bouton pour les éteindre. Et ne jamais mettre L à fond. Quand on le met à fond, en fait, ça le lock. Voilà. Et, si tu... et apparemment, la dernière fois, ou on a eu une panne, ou alors si tu décolles en lockant, après ça se déloque plus. Alors dans le doute, voilà, il faut... Mais tu regardes le début de la vidéo, hein, du démarrage, tu verras, je le fais. Ok, quand on va passer le nuage, ça va secouer un tout petit peu. Ah ben non, je ne survole pas les endroits où je fais du rallye. C'est après encore des nouveaux endroits, c'est ça. C'est sans quand t'es dans les nuages quand même. Hein. Vache, t'as vu les champs, il y en a encore. Hein. Allez, je vais rester un tout petit peu en dessous de la couche nuageuse. Ciao Gaëtan. Ah oui, il y a de magnifiques endroits sur la planète. Hein. Voilà, on va arriver à Curan-Voilà. Ah là, on va pas tarder à avoir du pavot, effectivement, je dis Roger. Effectivement. Ciao Gaëtan, bye.
comme il fait si haut. Ah, il fait presque 20 degrés, ouais, d'accord, ok, ouais. Ok, j'ai pas mis mes moteurs. Bon, bah, écoute, c'est que là, apparemment. Hein. Ok. On va s'arrêter de descendre à un moment donné, je dis ça, je voudrais pas dériger, mais. Voilà, 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 voilà. Donc, mesdames, messieurs. On arrive là. Juste rentre, voilà. Ah ouais, d'accord, ouais, du coup, ok. Ça tourne. Oh là là, regardez, on est juste en dessous de là. On est à ras de la couche nuageuse. Les carburants, on en est où là?
Ok. Ah, je suis pas mal là. Moteur 1 et moteur 4. Les deux moteurs aux extrémités des ailes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Ok, on va rebasculer. Donc on va rebasculer. Donc pour rebasculer, ok. Allez, parfait.
C'est pas l'univers, non. Mais c'est déjà pas mal, tu as raison. Alors, on va arriver au Temple d'Or. Amritsar, la ville d'Amritsar. Ah, c'est pas... ça fait pas rêver, hein. Mais bon. Merde. En plein milieu là. Le bâtiment est bien fait. Problème qu'on zoome, les textures tout autour sont dégueulasses. Ah ça je sais pas ce qu'il fera là, non. Salut Hugues. On a combien là? 7000. Allez, on a 61% du trajet, 541 000, il en reste 211, on a 7000 pieds et on vole à 227 knots. La prochaine ville sera Ludiana, et ensuite on arrivera à l'aéroport Indira Gandhi à New Delhi.
à descendre encore un tout petit peu. 1009. Waouh, on va tomber à 6000, à 6000. Bien en main, demi-tour. Est-ce que j'ai déjà un plan pour traverser le Pacifique? Le plan de vol, je l'ai montré là, au dernier vol, il est prêt, hein, tout est fait, hein. Tout est fait, tout est prêt. Eh oui, quand j'attaque, faut que tout soit aux petits oignons, hein. Moi sinon je peux pas à l'arrache comme ça, je peux pas. Et ça va être folklorique, je tiens quand même à te le dire, ça va être folklorique. C'est la piscine Maharaja, je sais pas, moi je connais pas bien le quartier là. Eh bien oui, tu as raison, il fait beau, hein. Je suis content que la météo ait changé là. Vache. Ah ouais, non, mais je le montre que très rarement, mais ça faut vraiment tomber dessus, tu vois. En fait, on va passer par le pôle sud. Voilà. On va passer par l'Australie, de l'Australie. On va partir, on va faire 30 ou 40 degrés et on va aller à un endroit où il fait moins 20. Voilà, déjà direct. Et du pôle sud, après, on va aller à Ushuaia et on remontera toute la cordillère des Andes. Ah voilà, c'est que en français, tiens. Ah. Amrista, ah ben voilà, ben il est en français là, c'est cool ça. Capitana, Jalandhar, on va à Ludhiana. Voilà, on a passé la frontière. Voilà, je pense que là, on est à une altitude. Voilà. Ah putain, regarde, c'est ça qui a pas été mis sur off. Oh là là, oh là. Le système hydraulique des flaps, oh putain, là là là. Et alors du coup, je vais gagner quelque chose de quelque part, moi. Eh, mais on trace là quand même. Ça a changé un truc là. Oh, quoi, ça a été les... Ah non, c'est parce que je l'éteins. Ouais, voilà, j'en ai. Ah, du coup, la pression est montée, l'overboost aussi. Ah, je suis bien là. Un carburateur température. Hein.
ici ou quoi? Ça t'embrouille là. Ah ouais, il fait 20 degrés, ouais, d'accord, ok, ouais. Tiens, le moteur, il en a marre, quoi, de vivre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé au décollage, les enfants, mais... Ah, là, voilà, on a les bonnes textures, on est nickel, là. Ah ouais, là, faut l'avoir l'œil, surtout, hein. Faut que je rectifie un tout petit peu le... Voilà. Mais dis donc, j'aurais pas touché le bordel là, moi. Eh ouais, je l'ai touché. Bon, Fredo. Eh, j'ai touché le trim, hein, putain. Ah, j'ai pas fait exprès, là, pas fait exprès, il veut pas d'histoire, hein. Ah, mais c'est pour ça qu'on tirait à gauche. Ah, d'accord. Voilà, de bien belles images. On va se mettre droit, parce que c'est ça, c'est quelque chose de, qui est important. Ok. Ah, merci joli Roger pour ton don, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas à l'écran, le truc qui part en cacahuète complet. Merci beaucoup joli Roger, merci beaucoup. C'est gentil les amis. C'est fait chaud, arrache. Ah, c'est déjà un peu plus agréable à regarder là. Hein. On est à 67% du trajet. Le départ a été un peu laborieux. Il y avait les militaires, hein, il y avait les talibans, il y avait tout le monde. Il a fallu faire gaffe. Hein. Ah ouais, c'est le plat pays ici, mais alors version maxi, hein. Ah vache. C'est vraiment impressionnant, hein. Ah ouais, la météo, c'est le jour et la nuit, ouais, ça n'est pas fait des choses, hein. Bon, regardez un peu où on est. Ah, il en reste. Et là, après, on est où, là? Mais on est où, ici? On est au Pakistan, c'est bien ça, non? C'est à force, moi, je m'y perds, hein. Du con. Entre les trucs que je prépare pour la semaine et tout...
Ah non, en Inde. Et bien alors, attendez, je remets les 2 minutes. Hein. Voilà. On sort que moins con quand même, hein, t'as de caillettes, hein. Non? Ah oui, c'est des régions des... Ah ouais, Ah ouais, d'accord, ok, ouais, je croyais que c'était... Non, l'Inde, ça va, il y a... Oh, vache, hein. C'est grand, hein. Ah ben, c'est joli, là, tiens, ici. Ouais. Selon les endroits du monde, hein. Là t'as pas d'immeubles, de machin, tout ça, c'est tout des... Selon les pays, vraiment, tu regardes les grandes villes et t'as l'état du pays, hein. C'est incroyable. Hein. Il y a l'air d'avoir du peuple quand même. Hein. Alors faut pas se perdre de quartier, c'est foutu. Le truc énorme, c'est que quand t'es dans la ville, t'as aucun point de repère, quoi, en fait. Oh putain. La 243e à gauche, hein. Et puis alors après quand tu arrives à la 122e, tu prends tout droit jusqu'à là. tu te dis pas le truc. Salut heureux. Je suis content pour la météo, je vous le dis franchement. Hein. Allez, direction New Delhi maintenant. On tire tout droit.
rentrant à l'aéroport de New Delhi, normalement, ne devrait pas y avoir de soucis. Ok. Eh mais on turbine là-haut, on va vite, hein. Voyons le moteur au fait. J'ai tapé, j'ai pas tapé, j'ai fait quoi là? Alors, les têtes de cylindre, on est tout match. La température de l'huile, parfait. Là, on est à rang, c'est très bien. Il y a quand même une grosse marge avec le... Ah, toujours le moteur 1 et le moteur 4 qui sont un peu plus faibles. Ok. Et en vitesse, hein, on est nickel, hein. C'est super. Hein. Ça aura pris du temps, hein, pour trouver la bonne. Hein. Ça a pris tout le voyage. Faudrait que je commence à rentrer. Ah mais oui, mais je sais pas quelle piste ils vont me donner, non? Je vois l'altitude que je veux, donc on ne fait pas. Donc alors le vent. Pente. Le vent, il vient à 30 degrés. Ah mais ça n'a pas marché en fait. Ouais d'accord, et même pas il m'adresse la parole. Hein. Ah. 29,62. J'ai l'impression que le météo charge, putain, il suffit qu'on dise que... Non, mais attends, monsieur. On est enregistré. Donc alors, il a dit qu'on était à 10.03. 10.03. On est à 10.03. 10.03. La vache. C'est là, hein.
j'ai entendu un orage, moi. Oh, quoi? Putain, il y a un orage. Oh non! Ça va être quoi encore cet atterrissage? Ok, je suis calibré. Oh là 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 là. Salut Magnus. Bon. Alors. Degrés devant. Donc les pistes, ça va être quoi? C'est quoi les pistes? New Delhi. Piste 28, piste 29. Piste 28. Donc piste 28, c'est 109.5. 109.5. Ok. Si mes souvenirs sont bons, c'est un DME tout simple. Donc pas la peine d'activer le VOR. Ça ne marchera pas. Allez, je suis tout bon là. Donc alors, dès qu'on captera, cette aiguille me montrera le cap de la piste. À partir de là, elle me donnera l'axe de la piste. Ouais, ça va, c'est bon, tu vois, ça va. Il y a même un piano, il est incroyable. Ah oui, il est bien fait, c'est t'as le pianiste fourni et tout, hein. Jean-François Kederman, c'est le beau-frère, Michel. Allez, on est donc à 83% du trajet. Il reste 94 000. Alors, on va faire une jolie prise de vue, là.
ça. C'est plat, hein, la vache. C'est immense. Oh là là. Ah, ici, les sens au carré. À Bagdad, tout ça, ils étaient en long. Chaque contrée a ses styles de chant. On est où là? Kaïtal. Ou Kétal. Kétal. Ah bah voilà, là Manu, t'as raison. On peut les nourrir les vivants, quoi. Oh là là, c'est à perte de vue, hein. À perte de vue. C'est parce que là, joli, je suis en c'est décidé, hein. J'ai enlevé le trafic, le vrai trafic, et j'ai mis IA à la place. Ça bouffe beaucoup moins de mémoire, hein. Ça évite les lags. Pas facile de se repérer sans relief. Ah ouais, t'as raison, bouffareux, hein, la vache. Et puis y a rien qui change, hein. Y a rien qui dénote. Regardez, autour, c'est tout pareil partout. Oh, vache. Ouais, c'est sympa, faut mettre le volume des voix pas trop fort, tu vois, que ça prenne pas la tête, et ça donne une ambiance, quoi, quand même, je trouve. Hein. Chibirix, s'il y a une vache sur la piste, il faut remettre les gaz, hein. Tu sais que là-bas, faut pas les toucher les vaches, hein. Elles sont sacrées. Ça, regarde ça, oh là là. De préparer des descentes particulières.
L'aéroport est à 777 pieds de hauteur. On capte toujours pas. Ah ouais, les histoires de casse là-bas, ça plaisante pas, hein. Le vache, les palos de l'avion vont pourrir un Burger King avec ça. Bon, on va falloir que je me prépare. Hein. Alors on arrive à New Delhi, on vient de passer les 90% de distance de vol, il reste 56 000. La météo est pas trop mauvaise, on a connu pire pendant le vol, c'est très bien. Ok. Alors, New Delhi, c'est grand, attention. Ouais, normalement, on aurait... Non, toujours pas. Ah bon. Je vais le mettre, mais je suis pas sûr que... Qu'est-ce que j'ai dit, piste 28 hein? Eh ben, tu vas voir, tu verras. Dès que l'aiguille bouge là, on capte. Voilà, t'as les. Combien il reste, tu vois, 47 000 nautiques en haut, à gauche. Voilà, on va la prendre ensemble parce que je ne le sais pas non plus.
À moins que je me suis que je me sois raté de piste 29. Non, piste 28, 109.5, hein, on est bien d'accord. Non, 109.5, c'est ça, ouais. Alors, des pauvres, j'ai 1777 pieds d'altitude. Pourquoi je capte pas là? Elle est super, tout va très bien, rien ne marche. On capte. On capte à partir de combien? Eh bien, aux alentours de 26-28 milles nautiques. Mais là, ce qui me donne...
Allez, Manuel. Manuel, Manuel. Ah mais j'affréquence ici. Ah mais c'est une ILS ou Salut Rossi. Thank you.
c'est la San Mateo. Parce qu'on est bien d'accord que je peux pas demander la piste moyenne, là. Ouais, c'est vite ça. Allez, on va se mettre dans l'axe, je sais combien il y a, 3300, hein, 3250, c'est bien. Je pourrais être en pilote auto, hein, mais en fait c'est quand même mieux d'apprendre à gérer le manche. Là, ça s'allume, le voyant rouge, il s'allume parce qu'on n'a pas le train sorti et qu'on est, on a les gaz en dessous du minimum. C'est ça, mais il a intérêt de se bouger parce que je vais l'écraser. Waouh! Ah, ça va être rock'n'roll encore si c'est en ting. Ah ben là, hein, pour faire plus.
Dans 5 minutes, on devrait commencer à le voir. Donc on est 700 pieds, ouais bon voilà quoi. Ça fait juste 2 000 quoi. Ouais, ok. Dans là parce que là votre. Je me coupe le chat de seconde là parce que ça clignote partout. Allez, hop là. Crâne de volée supplémentaire. Ok. De voler supplémentaire 20 degrés. On va passer au-dessus du temple du Lotus. Ouais. Le suivant. Un crâne supplémentaire de volée. Temple du Lotus. Ok, c'est bien, merci. Here.
un cran de voler. Je te vois. Supplémentaire. Il y a du vent ici ou quoi là? Je suis pas un crabe là. Eh bien, il y a du vent ou quoi? Ben non, il n'y en a pas. Hein. Et pourquoi on en traverse chaque fois? Là dans l'écran de volet. Me dis pas, mais là... Ça rebondit, ces engins, faut le savoir. Bah dis donc. Par contre, je comprends pas très bien pourquoi chaque fois je rebondis. Je suis en travers de partout, alors qu'il n'y a pas de vent. Ok. Merci. Merci les amis. Posez pas cassé, ça va, détends-toi. Ça va, hein, c'est fréquent, oh merde, c'est fréquent, hein, ces avions-là, hein, faut croire, hein. Bah... Ouais, les bruitages de l'avion sont terribles, hein, ouais, vraiment, hein. Voilà, New Delhi, chers amis. Pas de marquage au sol, que dalle.
Donc, on va éteindre les moteurs, hein. Ah, il y a un moteur qui a morflé. De l'arrivée, hein, franchement, hein. Bon, et eh bien écoutez, ben, je n'ai pas regardé le. Non, d'aller plus tard, ouais. On voit que. Ok. Très bien. Fred, t'as combien d'heures d'avion, de vol sur cet avion? Je sais pas où on le voit, ça. Je sais pas si on le voit à l'intérieur de l'avion. Je sais pas, mais ça commence à accumuler, là. Ben, il y a un quart de la planète, déjà. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, le prochain vol, je vous le dis pas parce que, voilà, j'essaye, je cherche quelque chose. Normalement, on prend cet avion et on va à, comment ça s'appelle, au Bhoutan. Comment il s'appelle l'aéroport de fou là, qu'on a fait avec l'Airbus là, avec la descente de folie. Paro. Voilà. Donc là, Paro, c'est un aéroport où il n'y a que 10 ou 11 pilotes dans le monde qui ont l'autorisation d'y aller, tellement c'est compliqué et tout. Je l'ai fait une fois, donc je sais à peu près me repérer dans les montagnes là. Et donc je vais essayer de le faire avec lui. Là, autant vous dire que ça va être quelque chose. Donc prochain vol, on part pour l'Himalaya. On va voir l'Himalaya. Je vais essayer de passer au-dessus de Lukla. Voilà, histoire de vous montrer l'aéroport si je peux, parce que c'est très spécial. Et normalement, c'est direction Paro. Voilà. Alors là, prenez les... Bon, non, prenez pas de parachute ni bouée de sauvetage. De toute façon, il n'y a rien qui peut te sauver dans l'Himalaya. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci à tous. Hein, et bisous sur Face Gauche. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Ah, allez, ciao les amis. Bye bye.